Salut tout le monde. Je vais vous faire cette vidéo au bord de l'eau, dans mon canapé directement avec mon ordinateur. J'espère que vous allez me faire confiance sur mes recommandations. J'ai regardé d'abord quelques vidéos pour être sûr. Donc voilà. Donc ce sera pour une commande de pêche à la carpe. Donc moi je vais vous recommander, mais je ne commanderai pas ça maintenant. Pour un total de moins de 400 euros, vous avez 34, non, 33 et 65 centimes en dessous de 400 euros. Donc, ce qui veut dire 364,35 centimes. Ceci n'est pas très cher. Donc, voilà. Donc, en premier, deux cannes à pêche. Deux détecteurs, deux bas de ligne, deux supports, des pics, des plombs, en fait des bouillettes. Donc en premier, deux cannes M5 360. À 50 euros avec le moulinet et tout, j'en ai pris deux. Détecteur Carp Spirit XSE. Donc pour commencer, ça fera l'affaire. Donc après, je prends des bas de ligne. Sans de. Ouais, les ardillons, voilà. J'en ai pris 10 en taille 6. Donc, il y aura déjà des stop-bouillettes avec. Après, j'ai pris 15 types plomb, donc en gros fois 3, parce qu'il y en a 5. Ensuite, les supports de canne arrière. Pour pas qu'elles s'en. 9 plombs. En 90 grammes. Après, c'est les boîtes à bas de ligne, mais j'en ai pris qu'une. Après, j'ai pris deux pics que on plante directement. Après, j'ai pris un lance-bouillette pêche de la carpe. C'est un Crusarb 20 mm Prologic. En Carp Spirit, j'ai mis des mèches solubles, donc en taille L, donc il y a 10 mètres, donc en gros, c'est du 22 mm. J'ai acheté 20 kilos de bouillettes à la fraise. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris du fil de pêche à la carpe Daiwa en 36 centièmes. Dedans, il y a 840 mètres. Ensuite, j'ai pris deux additifs carpe. Donc après, je vous conseille donc l'épuisette à 30 euros. Elle est vraiment pas mal. Et j'ai oublié d'ajouter à mon panier une sorte de petite boîte en fait qui mouille, mais qui va me servir à mouiller le poisson. Une autre qui me servira pour l'amorçage. Donc, je vais vous dire tout de suite si ils en font. Hop, pêche à la carpe, appât et amorçage. Pendant cela, vous pouvez même prendre des graines de chènevis cuit et tout. Mais je vais essayer. Voilà. Seau de 10 litres, caperlan. Je vais m'en prendre un. Un, c'est pas mal. Donc voilà. Donc, je me prends ça. Mais, je vous ai recommandé, on va dire, les détecteurs. Franchement, moi, je ne pense pas que je vais quand même dépenser autant d'argent. Alors que je pourrais seulement pour 14 euros. Et ça sera à Carp Spirit. Ou alors directement un sans sas. Mais je ne peux pas. Voilà. Donc sur les bouillettes, vous avez directement des packs. Bouillettes 10 kilos. J'ai pris ce pack-là, moi. J'ai pris à la fraise.
Car le spot où on pêche à la carte, mais qu'on n'a rien eu, rien. Pas un seul bip. Mais on a loupé quelques brèmes. J'ai loupé une carpe, mon cousin a loupé une carpe. On est vraiment des brêles. Mais bon, on a du matériel de merde. Donc voilà. Donc en fait, le pack, parce que là-bas ça marche mieux à la fraise. Si on prend des trucs Gamarus ou quoi, c'est que des brèmes qui vont venir, c'est un truc de dingue. Donc voilà, donc en fait, on a pris à la fraise. Donc en fait, c'est des bouillettes Wellmix, 10 kilos. En fait, j'ai pris 20 kilos pour amorcer, puis j'irai acheter en fait de grandes marques. Par exemple, Fun Fishing, les bouillettes en 4 kilos, les 20 euros. Et ben là, en fait, j'amorce avec ça et je pêche avec une grande marque. C'est ça en fait. Donc pareil là pour le fil Daiwa, il est très solide. Voilà. Donc j'ai oublié un truc. Ah, minuscule. Donc moi, je vais m'acheter en plus parce que j'ai trop. Mais what? Non, je rigole. En tout, j'ai trois cannes à carpe là. Donc en tout, chez moi, j'en ai une. Et puis là, je vais en recommander deux. Hop, on va là. On va dans Cannes ensemble les moulinettes, tu vois. Pardon pour le bruit, les mecs. Donc là, hop, on vient là. On regarde un peu dans les moulinets. Bien sûr, c'est pareil qu'ils vont pas faire le moulinet que je veux. Si c'est ça, ben. Carotte. Est-ce que je n'achète pas d'autres? Non, Kevin. Tu me rêves. Donc voilà, ceci n'est pas grave. Moi, dans ce que je vous recommande, d'acheter donc des. Comment qu'on appelle ça? Donc vous allez dans transport et rangement si vous avez directement un ordinateur. Après, vous avez fourreau, vous prenez des fourreaux. Vous prenez un fourreau à 3 cannes. Si vous pêchez qu'en 2 cannes pour commencer, c'est déjà très bien. Et vous prenez en 12 pieds. Mais comme par hasard, il y en a plus. Mais ça va. Donc tout de même, la commande ne sera pas pour maintenant, ce sera pour l'année prochaine. Donc on est en. On est bientôt, bientôt. Bientôt. Allez, salut les amis. Donc j'espère que mes. Donc en gros, comment que je vais dire ça? Que mes petits conseils vous ont aidé. Parce que, en tout cas, moi j'espère. Donc j'ai vraiment fait de mon mieux pour vous choisir des bons trucs et tout. Donc, ben allez, je vais vous laisser. Donc voilà. Donc, ben, je vais vous dire un bon après-midi. Et puis, ben, on se reprend pour une prochaine vidéo. Allez, salut!